Bonsoir, nous sommes à session sur la gouvernance des données, protection de la vie privée. Je suis Carole Rauch, je serai votre modérateur aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont en ligne. Nous espérons que la session sera dynamique. Prenez des notes si vous avez des questions à poser. Aujourd'hui, nous allons parler de gérer les données, de protéger la confidentialité, réalité par rapport à la théorie. Nous allons plonger en profondeur dans le système des données. Nous allons nous intéresser à des thèmes aujourd'hui. Nous allons parler de confidentialité, protection du point de vue de plusieurs parties prenantes. Qu'est-ce que l'on protège? Des personnes ou des données? Quel est l'entendement collectif de ce qu'on appelle données, les opportunités, menaces? Dans la recherche de valeur, réussite, recul aussi ou échec des cadres juridiques pour ce qui est l'écosystème des données. Nous avons constitué un panel dynamique qui est très intéressant aujourd'hui. En ligne, nous avons Pilar Barrenès, qui est l'auteur principal du rapport de la CNUSED sur le monde numérique pour 2021. Elle travaille comme chargée des affaires économiques au niveau de la section économie numérique, commerce électronique, division des technologies logistiques au niveau de la CNUSED. En ligne, nous avons aussi Arturo Muente Kuigami, chargé de la modernisation de l'état des faits. Au niveau de la perte, nous avons perdu l'intervenante. Banque interaméricaine de développement. Monsieur Bangassessan est le directeur exécutif de Paradigm Initiative. Il s'agit d'une entreprise sociale panafricaine qui travaille à l'inclusion numérique et sur les droits numériques. Il est également membre du panel de haut niveau de l'ONU. Nous avons l'ambassadeur Nathaniel. Vic, qui est ambassadeur américain itinérant pour le cyberespace et la politique numérique. Nous avons Mazambou, expert en cybersécurité. Simba Mazabou, d'Afrique du Sud. Peggy Hicks est la directrice de l'engagement thématique, procédure spéciale, droit de développement, bureau des, ou plutôt Office des Nations Unies pour les droits humains. Nous avons aussi China, Migena, Association pour la communication progressive qui coordonne le projet Nos voix pour notre avenir. Et enfin, nous avons Florian Marcus qui a eu appui à un certain nombre de gouvernements pour les aspects politiques et juridiques des changements structurels. Il a eu donc à travailler à redynamiser la transformation numérique dans un certain nombre de pays. Donc, le panel va intervenir brièvement, puis il y aura des questions, conversations. Restons dynamiques et engagés. Merci. Commençons par Pilar. Bonsoir à tous et à toutes. Je remercie les organisateurs qui m'ont invité à prendre part à cette réunion. Je vais présenter les conclusions du rapport sur l'économie numérique. Nous nous sommes focalisés sur le développement. Nous avons trouvé qu'il est important de se concentrer là-dessus, étant donné que les données ont pris de l'importance dans le contexte économique et en tant que ressource stratégique. Donc, il y a des profits privés, mais également un impact très positif sur le développement socio-économique. Les données peuvent entraîner beaucoup d'avantages pour les sociétés, mais entraîner aussi des risques. Questions de confidentialité, de droits humains, paix, sécurité. On doit partager les données, mais avec la garantie que les droits humains et d'autres préoccupations sont prises en compte
Ces données sont bien gérées, peuvent nous permettre de surmonter nos défis comme les changements climatiques, les pandémies, mais une mauvaise gestion des données peut entraîner la violation des droits humains, des résultats du développement à plusieurs vitesses et une mauvaise utilisation de l'Internet. Nous devons donc agir ensemble pour réaliser les ODD. Ces dernières années, nous avons pu voir comment les données qui circulent dans le monde ont explosé en nombre, en quantité, mais les économies numériques basées sur les données évoluent rapidement dans un contexte de fracture numérique, de déséquilibre dans les économies ou entre les économies. Une bonne partie de la population mondiale n'est pas connectée. Dans le monde en développement, une personne sur cinq utilise Internet. Alors, l'économie numérique basée sur les données est répartie de façon inégale. Il y a deux pays qui tirent la plupart des avantages de ces données, les États-Unis et la Chine. Des pays qui ont un contrôle important des technologies de base de données. Et la plupart des plateformes numériques qui peuvent profiter de ces données se trouvent dans ces deux pays. Et ces plateformes numériques renforcent leur position de domination sur le reste du monde au niveau de la chaîne de valeur mondiale des données. Beaucoup de pays sont inquiets, ont peur de devenir des fournisseurs de données brutes pour ces plateformes et de devoir être tributaires des connaissances tirées, des informations tirées de ces données. Mais le paysage de la gouvernance des données au niveau mondial est fragmentaire. Aux États-Unis, l'approche se focalise sur le contrôle des données par le secteur privé. En Chine, on insiste plus sur le contrôle des données par le gouvernement. Au niveau de l'Union européenne, c'est le contrôle des données par les personnes. Et ces approches ont aussi pour objectif d'obtenir davantage de données de l'économie mondiale. Alors, le contexte actuel est un contexte de tension entre ces différents objectifs. Ce que nous voyons en termes de gouvernance des données, c'est que ces économies sont à l'encontre de l'esprit de départ de l'Internet, qui était un réseau libre, gratuit, ouvert. Et l'impact va être négatif sur les pays en développement, notamment du fait du manque de coopération et de partage. Nous allons passer en revue un certain nombre d'accords régionaux, internationaux concernant les données et le paysage mondial de la gouvernance des données est une espèce de pot-pourri de règles qui complique les relations dans l'économie numérique. Et les cadres réglementaires sont trop restreints, limités, vont se focaliser par exemple uniquement sur le commerce ou sur la confidentialité, sans se pencher sur les nombreuses dimensions de l'utilisation des données. Ou alors la limite est plutôt géographique, alors que les données sont un défi mondial qu'il faut relever à partir du niveau international, mais à différents échelons également. Donc ces régimes ne permettent pas le flux des données transfrontalier avec un partage équitable des gains économiques et de développement. On ne traite pas non plus les risques inhérents à cet état des choses. À l'avenir, nous estimons qu'il faudra urgemment mettre en place une approche plus équilibrée à la gouvernance mondiale des données. Il faut trouver un entendement commun pour que les données servent les populations et la planète. C'est très important pour éviter la fragmentation de l'espace numérique, pour permettre aussi le partage des données au niveau mondial et atténuer ces inégalités qui se creusent. Il faut faire face aussi
à ce rôle dominant de certaines plateformes numériques. Nous pensons que l'objectif doit être de permettre que les données circulent aussi librement que possible. Et en même temps, il faut que ces données puissent servir à atteindre un certain nombre d'objectifs de développement. Il y a plusieurs domaines de politique qui pourraient bénéficier de cette bonne gouvernance. On devrait se mettre d'accord sur les définitions de l'accès aux différents types de données. Pour renforcer la gestion des données, les flux de données, traiter les données comme un bien public, envisager de nouvelles formes de gouvernance des données, se mettre d'accord sur les droits, les principes. Il faut élaborer aussi des normes, des standards et accroître la coopération internationale sur la gouvernance des plateformes numériques, pensant notamment aux politiques d'imposition, taxation et de concurrence. Dans cette approche, nous pensons que l'ONU doit jouer un rôle central car il n'y a pas de traitement holistique des données, les discussions se font en isolement. L'ONU est le forum le plus inclusif, néanmoins, beaucoup de pays restent marginalisés lorsqu'il s'agit de négociations sur la gouvernance des données. Il faut aussi qu'il y ait un nouvel organisme de coordination, un mécanisme pour cette gouvernance des données. Mais nous sommes ouverts à la discussion, il faut que ce soit discuté au niveau des pays, des différentes parties prenantes. Nous pensons qu'une approche de gouvernance mondiale doit tenir compte de différentes dimensions, parties prenantes, et refléter aussi l'aspect multidimensionnel des données. Je m'arrêterai là. Nous pensons que la discussion doit plutôt venir d'une réflexion innovante sur le genre de gouvernance que l'on peut envisager. Nous attendons la discussion, les échanges dans la salle. Merci Pilar Arturo, la parole. Merci Carole, merci pour cette invitation. Est-ce que tout le monde entend bien, Tim? J'ai quelques diapos à partager avec vous. Tout d'abord, merci pour cette invitation à prendre part à ce panel. Je vais partager un petit peu ce que nous avons fait en Amérique latine, les enseignements, les recommandations aussi, tirées de l'étude mondiale. Je commencerai par cette carte que j'utilise pour montrer un petit peu la situation. Il y a différents thèmes, des orientations autour des données qui apparaissent selon des phénomènes qui apparaissent, les gouvernements créent des groupes autour des données en accès libre. On a la sécurité des données, on a le partage des données, leur interopérabilité, l'accès à l'information et à la protection des données qui nous réunit ici. Puis il y a toutes ces nouvelles technologies basées sur les données, l'intelligence artificielle. C'est ça qui entraîne ce genre de thème. Et ces orientations prennent de l'importance et en fait commencent à empiéter les unes sur les autres. Et ce que l'on ne voit pas ici, une chose sur laquelle nous essayons de travailler, c'est une coordination. Ça se rapproche des recommandations de l'intervenante précédente. Donc il faut une coordination entre ces différents thèmes. Nous pensons que cela aidera à faire face à certaines des préoccupations abordées lors de ce panel. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé les lois de protection des données par région. La Banque interaméricaine de développement travaille avec 26 pays en Amérique centrale, du Nord, Caraïbes. Vous avez 17 pays là-dessus qui ont des lois de protection des données personnelles, donc 65%. C'est à peu près le pourcentage que l'on trouve aussi dans le rapport. On a 2-3 pays que nous aidons à rédiger leur loi et les autres n'ont donc pas de texte de loi en vigueur. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une variable binaire, est-ce qu'il y a une loi ou pas. Ça aide beaucoup, mais il y a des pays qui ont des lois vieilles de plus de 20 ans
mais qui doivent être mises à jour, actualisées et qui ne sont pas adaptées à l'économie numérique. Certaines remontent avant GDPR, qui est en fait une espèce d'étalon pour l'évaluation des pays. Donc, on a fait cette comparaison avec les normes interaméricaines de protection des données. Il existe un réseau constitué des différentes agences chargées de faire respecter la protection des données. Donc, la région couvre aussi une partie de l'Europe. Ces textes remontent à 2017 et nous les comparons avec les lois en vigueur dans la région. Il y a aussi le code QR pour le site Internet que vous voyez certainement à l'écran. Et sur la même page Internet, vous allez trouver un sondage. 10 000 personnes de la région ont été interrogées, représentant 10 pays. Nous voulions en gros savoir si ces personnes étaient informées de la protection des données, est-ce qu'elles savaient en fait ce que c'était que la protection des données personnelles. Mais ils sont complètement responsables pour la pandémie. Et avec les données qui viennent des citoyens, qui les utilisent dans la plupart des cas par ces applications. Ce qu'on a appris, c'est que la plupart des pays sur lesquels on travaille, parce qu'il y en a cinq pays dans les Caraïbes qui ne travaillent pas, 61 sur 80 qui ont l'inflation, certains depuis 91, ils ont besoin de mise à jour urgente. Il y a la législation de protection des données de 2021, la Jamaïque, l'Équateur 2020, Barbade 2019. Il y a eu aussi une vague de pays qui ont une législation pour la protection depuis 2 ans. Alors, les normes de protection comprennent la règle internationale pour le transfert de données. Et ce qu'on a vu, la différence qu'on disait au début du panel entre le papier et la réalité, même si la législation en place dans les pays est alignée sur les principes des normes qui sont alignées sur les principes de la réglementation européenne, il y a beaucoup à faire au niveau de l'application. La plupart des législations permettent l'échange de données avec d'autres pays tant qu'ils ont une protection, un environnement de protection ou une législation, mais qui définit, qui vérifie si ces prestataires, ces vendeurs ou si les pays, la législation des pays est laissée un peu à la compagnie ou à l'entité qui fait le traitement des données. Les gouvernements, dans certains cas aussi, ont des problèmes pour utiliser les services en nuage. Il y a un ou deux pays qui ont décidé que toutes les informations soient stockées au sein du territoire du pays qui applique cette législation, à quel point c'est fait correctement. Comme je l'ai dit au début, ce que l'on voit dans l'ensemble, c'est le besoin d'avoir d'un cadre institutionnel coordonné et solide. Sur les 17 pays, il faut comprendre que la plupart de ces législations sont relativement nouvelles. 8 sur 10, y compris les commissaires dans les Caraïbes, ont été créés pour appliquer la législation. Il y a des pays qui, malgré le cadre juridique, n'ont pas d'entité en charge de l'application. Et il y a aussi plusieurs couches. Il y a des attributs qui donnent aux entités et il y a les ressources dont dispose l'entité. Et là aussi, l'indépendance pour prendre des décisions indépendamment,
qu'il y a un leadership collégial, c'est quelque chose que l'on cherche. Excusez-moi, il faudra qu'on vous... On va revenir vers vous, donc gardez ces idées, restez avec nous. Merci Arthur, on va revenir vers vous, on essaie de gagner du temps. Quand on parle de gouvernance de données, de protéger la confidentialité, ce qui me vient à l'esprit, c'est la confiance qui est au centre de tout, et malheureusement, tout ce qui érode la confiance en tant que communauté, on doit le condamner. C'est 1,9 milliard, c'est le nombre de personnes qui sont coupées de l'Internet dans la première moitié de 2022, pas non connectées, mais déconnectées, comme ce qui se passe au Tigré en Éthiopie actuellement, parce que quand l'Éthiopie discute de l'Internet, et il est important d'avoir ces discussions. On peut continuer à parler de gouvernance, de protéger l'intimité, mais si on n'aborde pas la violation, il n'y aura plus de confiance et les personnes sauront que ce n'est qu'un spectacle. Donc je crois que c'est important d'en parler. Et c'est l'une des raisons pour laquelle quand on parle de la région où on est aujourd'hui, l'Afrique, on a un cadre qui a été en place depuis 2014, la Convention de Malabo. Et dans un certain nombre de sessions, on en a parlé à quel point c'est inquiétant qu'on n'ait que 8 signatures. Jusque-là, ils nous en font 15 dans un autre palais. On a comparé les 8 signatures sur plus de 55 pays. Donc, c'est pour moi, quand on a des discussions, il faut qu'on fixe une priorité, on donne ce thème, mais pas dans l'action. Et c'est inquiétant. Nos paroles et nos actions ne s'alignent pas. On prend l'avion, on ouvre le Zoom pour tenir ces discussions. Et pour ceci dit, la confidentialité et la gouvernance sont délibérées. Quand on parle de gouvernance de données, il y a beaucoup d'institutions impliquées, même le forum, les universités, la société civile, le secteur privé. Mais une institution centrale qui joue un rôle majeur, c'est les autorités de protection des données, ou quel que soit leur nom. Ces autorités, dans notre propre initiative, on a une étude sur les 20 dernières années de protection de données sur le continent, avec les pays touchés, ceux qui ont des lois de protection, des autorités qui en ont, des pays qui n'ont pas d'autorité. Ce qu'on a trouvé dans notre rapport, on a des projets de collecte massive de données dans beaucoup de pays, mais malheureusement, on n'a pas de cadre juridique pour les protéger. Ça érode la confiance. Les gens doivent donner des informations biométriques à plusieurs institutions publiques et il n'y a pas de cadre juridique pour protéger. Ce qu'a révélé l'étude aussi, c'est que la COVID était une période où il fallait beaucoup de confiance et il y avait des collectes de données pour lutter contre le virus. L'OMS a dit que c'était fini. Ce qui est documenté, c'est que beaucoup de gouvernements, tout en investissant dans la collecte de données, n'ont pas investi également dans la protection des données. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait des violations par les agences qui étaient censées protéger les données, et ça aboutit à beaucoup de scénarios où les gouvernements étaient obligés de les forcer.
Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de services bancaires et autres services. Si nous parlons de gouvernance, de protection, on doit renforcer les institutions. Les besoins sont évidents, on a identifié beaucoup de lacunes, mais ce qui est intéressant, dans les 30 pays, la plupart des parties prenantes comprennent le rôle des données et se sont engagées à travailler ensemble. C'est la bonne nouvelle que j'ai en ce qui concerne la gouvernance des données et la protection. Même les utilisateurs, même les parties prenantes, toutes les parties prenantes doivent intervenir parce que la confiance est au cœur de tout et là, il faut qu'on contribue tous pour éviter tout genre de violation. Merci. Ambassadeur. C'est très éloquent. Merci beaucoup de m'avoir. C'est un plaisir d'être ici dans ce panel. Je vais commencer avec une brève explication de comment nous, au département d'État des États-Unis, voyons cette confidentialité. La protection des données est au centre de notre intérêt stratégique. Pour qu'il y ait une connectivité, pour un Internet ouvert, sécurisé et un service stable. Je peux ne pas commenter l'importance de l'accès aux télécommunications, à l'Internet, etc. pour protéger les droits de l'homme dans société moderne. Les gouvernements devraient faciliter l'accès, éviter de verrouiller et de réprimer la libre information. Et ici, en Éthiopie, on applaudit l'accord de Pretoria et de restaurer l'accès à l'Internet dans toutes les régions. La gouvernance des données et la confidentialité sont importants pour une vision affirmative de l'avenir de la technologie. On cherche à travailler avec les communautés et qui pensent comme nous et trouver des solutions qui reflètent notre engagement envers une protection solide tout en facilitant le flux transfrontalier pour les économies et les sociétés qui en dépendent. Comme historique, je vais parler de trois principes. D'abord, on ne voit pas un jeu dont le somme est zéro. On sait que le flux transfrontalier des données importantes pour le commerce, pour les compagnies, les organisations, le flux de données sont importants pour la coopération, pour la loi, le transport et pour relier les liens entre les personnes du globe. Mais on sait que les personnes et les gouvernements demandent une protection plus solide. Sans protection solide, les gens perdent la confiance et la confiance est l'essentiel. On n'accepte pas le point de vue que la protection doit entraver le flux. Au contraire, ça contribue à une économie numérique plus prospère. Le deuxième principe, il faut mettre l'accent sur la protection telle que c'est mise en œuvre sur le terrain et pas dans l'abstrait. On voit de plus en plus de pays qui adoptent des législations. L'écart peut s'élargir entre la théorie et la pratique. Sans application rigoureuse, sans savoir ce qui est requis pour faire appliquer la loi. Il faut s'assurer que les lois sont sur le livre, mais aussi que les participants au marché, que l'on comprenne
Les politiques doivent être élaborées avec la communauté par multipartie prenante pour comprendre pas uniquement les débats juridiques, mais aussi les défis mondiaux de la mise en œuvre. Troisième principe, le besoin d'interopérabilité entre les régimes de protection. Quand on parle de protection, c'est clair qu'il n'y aura pas d'approche de taille unique. Les pays ont leur propre histoire, culture, tradition juridique et structure réglementaire. Donc, il faut que ce soit conforme à leur contexte et le besoin de protéger les droits de l'homme. Quand les pays élaborent leur protection, il faut une certaine compatibilité pour que qui est une protection effective pour l'afflux des données transfrontalières. Je vous parlais d'un tel effort pour protéger les règles transfrontalières mondiales. C'est une certification volontaire qui se conforme aux normes. C'est élaboré sous la PAC. Mais les économies membres de ce système mettent en place un forum pour atteindre leur objectif avec une approche unique, avec des outils de conformité. Le forum facilitera le commerce pour le flux des données. À cette fin, on espère que beaucoup d'économies et de pays se joindront à ce forum. Et beaucoup de pays suivront cette certification. Si vous êtes intéressé par ce programme, c'est globalcbpr.org. Merci de cette opportunité. Merci de m'avoir offert cette opportunité et pour les panélistes. Selon moi, il faut voir qu'en essayant de répondre à qui on protège les personnes comme personnes des données, ces données dont on parle sont le moteur du monde numérique. Toutes les applications qu'on utilise quotidiennement, ça a aussi un rôle à jouer dans la croissance économique en Afrique. L'utilisation des données a augmenté exponentiellement, surtout dans le domaine de la commercialisation et de l'assurance. Ça a ouvert une porte pour les connexions illégales pour obtenir des données pour améliorer les bénéfices de ces compagnies. Donc, c'est devenu un courant d'enrichissement très important dans beaucoup d'organisations. Il faut voir comment la sécurité ou manque de sécurité ont un effet sur les populations ou les personnes. Ce sont les personnes qui possèdent les données. Et notre but en Afrique du Sud, notre réglementation découle du projet de loi disant que chacun a le droit à la confidentialité. Donc, leurs données font partie de ce qu'ils doivent garder dans leur intimité. Tant que la réglementation reste sur papier, il y a toujours des risques qu'on a remarqués en tant que régulateur en Afrique du Sud, que beaucoup des compromis que l'on voit en évaluant les sociétés, on voit quelles ont les mesures, les politiques en place, elles ont leur procédure, mais la mise en œuvre n'est pas là. On sous-traite nos efforts de développement. Est-ce qu'on sous-traite aussi l'éthique
C'est une question importante à laquelle il faut répondre. De quelle éthique parlons-nous? De qui ça dépend? Est-ce que ça dépend de moi qui fais des profits? Ou est-ce que ça dépend de la bonne chose, de la chose correcte à faire? Excusez-moi. Mettre en œuvre la confidentialité par conception, il faut faire le suivi des personnes qui mettent en œuvre ces... Qu'en est-il des droits de confidentialité des personnes qui est en contradiction avec le mandat des développeurs en ajoutant des encryptions. Donc, il y a une mauvaise nouvelle, surtout si ça touche les références. Donc, quel est l'écart entre le papier et la pratique, quoi. Il faut donc un cadre mondial, je sais, qui a beaucoup de différences culturelles, beaucoup de différences entre les pays concernant leur réglementation, mais afin de faciliter le flux transfrontalier, il faut qu'on soit sur un terrain neutre sur la règle. C'est pour la réglementation. Il faut qu'elle soit alignée pour pouvoir utiliser les données pour la croissance des économies qui sont une nécessité pour gagner du temps. Et je pense qu'on peut en discuter plus tard. Je vais donner la parole à mon collègue. Merci beaucoup d'être ici avec vous. Vous avez soulevé des points importants. Je mettrai cette conversation dans un cadre des droits de l'homme. Nous parlons de protection des données, de confidentialité, pas parce que c'est une pratique, mais c'est parce que les tous gens ont le droit. La protection des données touche toute une gamme d'autres droits. L'accès au droit à l'éducation, à la santé, par exemple, et aussi l'accès aux droits démocratiques, la libre expression, le droit à l'association, etc. Je souligne le point souligné par mes collègues sur l'accès à l'Internet, parce qu'on sait que le flux de données est essentiel. On est d'accord entièrement qu'il ne faut pas de verrouillage. Les défis qu'on rencontre avec les données sont immenses. Ça découle de la publicité de non massif de données. Les sources croissantes de données doivent être collectées, analysées. Il faut voir où nous en sommes. On a entendu parler des cadres juridiques en place. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de travaux effectués pour les exigences minimums pour la législation de protection et les conventions. Notre bureau a fait un rapport sur le droit à la confidentialité en 2018. Un point essentiel était le fait d'avoir une base juridique, la nécessité, la proportionnalité du traitement des données, trouver un but dans cette législation et d'avoir un champ limité, l'exactitude des données, les mesures suffisantes, la gamme de sujets impliqués et l'application pour le traitement des données et les sauvegardes qui existent. Ça revient au rôle des organes indépendants de supervision. Pas uniquement créer ces organes, mais faire en sorte qu'ils aient des ressources. Alors, dans ce contexte, quels sont les défis essentiels de la... Il faut de meilleures lois. On a vu des progrès, mais comme l'ont dit les autres, quand il y a des lois même, il y a du travail à faire
Et comme l'a dit l'ambassadeur, il faut une approche partie prenante pour que ça réponde aux besoins de nos communautés, l'engagement de la société civile également. Il faut signaler aussi que l'une des clauses des législations existantes est l'absence ou l'exigence de traitement par les autorités publiques. Et c'est là qu'il y a des préoccupations des droits de l'homme. On reconnaît aussi que même si on commence avec un bon fondement pour la protection, on a de nouvelles menaces avec l'IA et autres technologies. Il faut penser à un champ plus accéléré pour la protection et l'intimité. Penser à la justice des données au lieu que ce soit uniquement la protection pour éviter la fraude des données. Il y a des exemples pour la discrimination pour les personnes défavorisées. C'est là où il y a un problème pour la protection qui est utilisée dans les systèmes de bénéfices d'avantages sociaux. Je suis aussi préoccupé par la prise de décision automatique et le droit minimum qu'ont les gens pour que les gens comprennent comment leurs droits sont touchés et les informations à partir de données existantes et comment réglementer cela. Et comme j'ai dit, les organes de supervision sont indispensables. Pour le flux de données transfrontaliers, je suis d'accord, il faut trouver un moyen de les contrôler dans le contexte des droits de l'homme. On veut que ça traverse les frontières, mais il y a beaucoup de lacunes. L'une, c'est que ça fragmente davantage l'Internet et réduit le droit de la liberté d'expression. Il faut des cadres pour que les données traversent pour aller dans d'autres États. Il faut que ce soit dans le cadre du droit international humanitaire. C'est le GDPR permet le transfert des données avec une protection suffisante dans un autre État et avec un dernier mot du côté de la force publique, c'est on veut faire en sorte qu'il y ait des sauvegardes minimum pour le transfert de données, y compris les exigences pour la criminalité, avec des mesures moins invasives, et faire en sorte qu'on ait les autorités publiques concernées pour les données que détiennent les compagnies, les sociétés. Merci beaucoup. Merci, Sheila. Oui, nous c'est un peu difficile de suivre après tout ce qui a été dit, mais je dirais ce que j'ai à dire, ce sera peut-être pareil, mais dit différemment. Je me regarde moi-même comme une membre de la société civile. Je travaille dans le domaine des droits de l'homme, des femmes, de LGBTIQ, et on utilise un cadre féministe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, pour les gens comme moi ou les communautés avec lesquelles je travaille, c'est un peu trop chargé parce qu'on fait référence à tous ces documents qu'on ne connaît pas. Il y a quelque chose sur la gouvernance des données et la protection de la confidentialité qui est un peu obscur, c'est que cet espace est aussi un peu en silo. Et ce qu'elle a dit, on ne peut pas voir le rôle de la protection des données, la gouvernance qui est avec la. Parce que quand on demande qu'il y ait des lois dans les pays et les États, dans des contextes où il y a déjà des lois qui ne sont pas respectées, ça crée un problème de confiance.
Lorsque les lois existantes n'ont pas été respectées, il faut mettre en place de meilleures lois. Alors nous, la société civile, on a peur souvent quand il y a de nouvelles lois. On se dit c'est une nouvelle loi qui va venir nous pister, surtout si on vous criminalise ou si vous travaillez dans un secteur criminalisé. Lorsque le gouvernement vient et vous dit voilà, on vous force, on vous oblige, il n'y a pas de choix. Et les lois qui sont promulguées ne suffisent pas, surtout si on se focalise davantage sur les données, non pas sur les personnes. Et ce qu'est vraiment, ce que sont les données, ça change. La forme change. Par exemple, on a depuis 2019 une loi de protection des données au Kenya. Donc ça, c'était quelque chose de différent avant la pandémie. Et maintenant, on doit se demander, est-ce que ça suffit, sachant qu'il y a eu donc une pandémie, le gouvernement a collecté les informations de façon forcée auprès des citoyens, sans les protections appropriées, sans consultation, sans que qui que ce soit n'ait le droit de dire non, ce qui entrave d'autres droits humains fondamentaux. Une autre chose importante, et beaucoup d'autres personnes en ont parlé, il faut protéger la vie privée, ce qui est très important pour les communautés qui trouvent une espèce de havre de sûreté en ligne dans les réseaux sociaux. Lorsque l'on met en place des lois qui entravent ces droits à la vie privée, eh bien ces personnes n'ont plus d'endroit où se retrouver et ces identités criminalisées sont criminalisées davantage en ligne, hors ligne. Et le genre de violence que l'on subit en ligne sur la base de discrimination, c'est le même genre de violence que l'on retrouve dans la vie réelle et vice-versa. Et dans les conversations précédentes que j'ai eues avec des membres de la société civile, la question de la confiance est importante. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parfois, le langage de protection des données est un jargon très vague, délibérément. Alors, on protège qui? L'État? C'est une espèce de loi de protection des données et qu'on récolte mes données sans mon consentement, qu'on diffuse peut-être même des images intimes sans mon consentement, eh bien, mon droit de recours sera limité par rapport au régime qui, par exemple, peut faire arrêter un blogueur qui a dénoncé ses actes. Donc, on utilise ces mêmes lois qui doivent protéger une femme qui a subi la violence en ligne pour réduire au silence, pour soumettre à des citoyens qui veulent s'exprimer. Autre chose que l'on peut dire, en conclusion, quelque chose qui est dit par les féministes, beaucoup de femmes aussi, intersectionnalité, c'est un terme important. Il n'y a pas une question unique. Lorsque nous venons ici, nous disons que l'Internet est un espace important, que nous devons renforcer les cadres juridiques, les cadres législatifs pour que l'Internet reste libre. Alors ces lois, néanmoins, dont on parle, existent dans des contextes où on entrave les droits, les libertés des personnes. Alors lorsque vous dites « je dois avoir le droit d'être qui je suis en ligne » dans un contexte politique où vous n'avez pas le droit d'être qui vous êtes dans la vie réelle, il y a une contradiction et il faut qu'il y ait cette interopérabilité, comme vous le dites, et que ce soit plus intentionnel, que l'on recherche délibérément différents acteurs dans les divers espaces des droits humains. Créons davantage de solidarité, partageons davantage de ressources, d'informations. Il ne faut pas voir ceci comme une question unique, situation unique.
Il y a beaucoup d'intersectionnalité, donc comment renforcer les droits humains pour toutes les personnes dans tous les espaces, en ligne et dans la réalité. J'aimerais commencer par dire merci à IEGF 2022 pour cette invitation. Ce panel est terrible à mon avis parce qu'il y a beaucoup d'experts, de thèmes importants avec juste 90 minutes. Non, il faut changer ça à l'avenir. On peut commencer par la dernière question, la confiance. Je suis allemand, je vis en Estonie depuis 7 ans. Mon expérience est un petit peu différente. Ceux qui sont dans la salle, qui regardent sur Zoom, si on doit être honnête, la plupart des gouvernements, entreprises aujourd'hui n'ont pas mérité notre confiance pour ce qui est de la gestion qu'ils font de, nos données. On peut lancer de la bouse sur le secteur privé toute la journée, faire la même chose pour le secteur public. J'apprends qu'il y a des pays, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe, un petit peu partout dans le monde, il y a encore des pays qui copie les données des citoyens biométriques. C'est quelque chose qui est inacceptable et qui me mène aux deux points que je souhaitais aborder, mentionnés par Carole dans son introduction. Quelle est la situation dans les textes et quelle est la situation réelle? Première chose à faire, améliorons la situation dans les textes. Est-ce qu'il y a un texte de protection des données? GDPR, pour la plupart des pays, la réponse est oui. Et plusieurs panélistes ont dit ici que la désirabilité d'un cadre mondial de recommandations concernant la vie privée, il faut en parler. Mais calmons-nous. Si on regarde l'UE, où on a donc notre GDPR, 27 États membres qui ont signé, qui sont signataires, je peux vous assurer que nous ne respectons pas ce texte de la même façon. Pas tous. Ce n'est pas parce qu'il y a un pays qui est particulièrement intelligent et les autres ne le sont pas, mais non, c'est une question de culture. Les cultures sont différentes et on peut interpréter différemment la même loi. Alors même s'il y a un cadre mondial, et on n'y arrivera pas de toute façon, mais même si on avait ce genre de cadre, on ne le mettrait pas en place, en œuvre de la même façon. Un exemple simple, en Estonie, il y a des parkings à plusieurs niveaux, avec des toutes petites barrières. Alors en Allemagne, pendant longtemps, c'était illégal à cause du GDPR. Donc on avait des caméras qui peuvent lire les plaques d'immatriculation. L'Estonie dit, voilà, on a le GDPR, on peut faire fonctionner ces barrières avec la reconnaissance visuelle des plaques. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Et ça, c'est un tout petit exemple. On peut étendre ça au stockage biométrique des empreintes, partage d'informations médicales au niveau transfrontalier. Alors, on ne se mettra pas tous d'accord et même si c'était le cas, on n'interpréterait pas les choses de la même façon. Et pour conclure, un point sur la confidentialité des données en Estonie, en théorie et en pratique. En Estonie, on a la politique once only, donc dans toutes les agences de l'État, il y a une seule autorité qui peut stocker certaines données. Alors, si à l'état civil, ils ont vos données, en sont responsables, les autres agences ne peuvent pas vous redemander les mêmes données, ils doivent aller vers cette agence. Voilà, c'est fini. Deuxièmement, et ça ne concerne pas seulement la vie privée, la confidentialité et son respect, mais est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable du point de vue du citoyen? Encore en Estonie, un exemple, il y a un traceur de données où je peux voir quand le gouvernement a consulté mes données, où et pourquoi. Et à partir de là, je peux aller à l'inspection de la protection des données. Alors, c'est très bien qu'on ait une myriade de GDPR dans le monde avec des capacités de mise en application, mais la question est de savoir, est-ce que les citoyens connaissent leurs droits? Est-ce qu'ils savent quand il y a eu violation de leurs droits? Voilà ma conclusion, merci. Merci, je vous ai dit que le panel était très intéressant. Et vous en donnez énormément de matière à réflexion. Je suis sûre qu'il y a des questions. Est-ce qu'on a quelque chose en ligne?
Donc, on consulte ça. On a plusieurs questions. On commence par le monsieur dans le fond de la salle. Alors, s'il vous plaît, ne regroupez pas plusieurs questions en une. Donc, juste une question, s'il vous plaît, le monsieur dans le fond de la salle. Merci de vous identifier, si vous le souhaitez. Merci, je remercie tous les intervenants. Je suis Asnakor de l'Éthiopie. Je travaille au ministère de l'Innovation et des Technologies. Ce n'est pas une question, mais plutôt mon opinion. À mon avis, il nous faut en Éthiopie des formations sur la numérisation, la bonne gouvernance, des bourses. Il nous faut la coopération et la collaboration avec plusieurs parties prenantes pour renforcer les capacités de l'Éthiopie. Alors, est-ce qu'il y a un protocole d'accord? Si vous êtes intéressé, en tout cas, nous, nous sommes ouverts et vous êtes les bienvenus. Il faut le plaider dans différents secteurs de la recherche, des technologies, l'innovation. Les jeunes, les enfants doivent être encouragés à aller dans le sens de l'innovation des technologies en Éthiopie. Alors, si ça vous intéresse, nous pouvons collaborer dans ces domaines et d'autres. Merci. Sur le devant de la salle. Merci, moi je viens du Sénégal. Je m'appelle Ndiaga, je viens d'une organisation de la société civile. J'aimerais faire un commentaire sur la protection des données en Afrique. Donnez-moi juste quelques minutes. Vous avez une minute. La protection des données, la vie privée, dans la réalité, dans les textes. Alors, en Afrique, ça n'existe même pas dans les textes. Nous avons 55 pays sur le continent et il n'y en a que 25 qui aient un acte, une loi pour la protection des données. Le premier pays à avoir adopté cela en 2001, c'était le Cap-Vert. Deuxièmement, on a eu le Burkina en 2004. Et puis, à partir de 2008, des pays comme le Sénégal ont adopté des lois sur la protection des données. Mais depuis 2001, le Cap-Vert n'a toujours pas d'agence de protection des données. Cela vous montre donc que sur ces 25 pays, et puis il n'y en a que 14 qui ont une autorité de protection des données sur les 25 pays en Afrique. Et ces autorités sont souvent faibles. En l'espace de 15 ans, aucune de ces autorités n'a pris la moindre décision parce qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires. Et puis, il y a les intérêts américains, Twitter, Facebook, donc les autorités politiques ont peur. Nous devons donc nous inspirer de l'Europe, nous exprimer d'une seule voix. Nous avons des petits pays qui ont du mal à faire face à des géants de la technologie. Regardez le Sénégal, la Gambie, le Bénin. Qu'est-ce que ces pays peuvent faire face à ces géants? Rien. Il faut donc qu'on donne la responsabilité à la Commission de l'Union africaine et là, on a des problèmes aussi. Tout d'abord, les droits numériques ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de la Commission africaine des droits des hommes et des droits de l'homme, pardon, et des peuples. Il n'y a pas de résolution, rien sur les droits numériques au niveau de cette Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut donc plus de voix pour faire le plaidoyer afin que cette Commission africaine puisse au moins créer un groupe de travail sur la protection des données et de la vie privée. Deuxièmement, la Convention de Malabo sur la protection des données et de la vie privée qui remonte à 2014 jusqu'ici a été signée par 14 pays, ratifiée par 8. Il nous en faut 15 pour que cette convention, que ce texte entre en vigueur. Il faut donc un plaidoyer dans chaque pays afin de pousser les gouvernements à ratifier, enfin signer puis ratifier la Convention de Malabo. Il faut porter nos voix à la Commission de l'Union africaine, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la difficulté, c'est qu'il y a peu d'organisations qui travaillent sur les droits numériques et qui aient un statut d'observateur à la Commission de l'Union africaine. Nous sommes d'accord avec vous.
les panélistes, notamment Benga, ont parlé de cela plus ou moins en détail. Nous devons effectivement nous asseoir, trouver une solution à cet état des choses. Merci beaucoup pour votre contribution que nous allons inclure dans notre rapport. Merci. Le monsieur dans le fond de la salle. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je vais m'exprimer en français. Merci. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais demander au panel s'il y a des commentaires déjà sur les interventions de la salle. Je voulais remercier ceux qui ont fait les commentaires sur la perspective africaine. N'ont pas beaucoup parlé du niveau régional. Le rôle des organisations régionales, c'est quelque chose qui est intéressant et on va devoir en discuter dans le contexte GDPR. Commentaire pour compléter. Pour ce qui est des lois, réglementation dont nous disposons, la difficulté de mise en application de ces lois face aux géants technologiques. Il n'y a pas en fait d'adresse postale où on va pouvoir en Afrique du Sud porter plainte contre Meta. En fait, on doit courir après eux dans le monde entier juste pour obtenir un commentaire et c'est la même chose pour Twitter, TikTok. C'est un véritable problème et nous allons devoir trouver une solution. Merci. Y a-t-il des commentaires, Arturo, Pilar ou en ligne, qui sont en ligne, pardon. Je trouve les commentaires très intéressants. J'aimerais réagir à la dernière intervention de la salle. J'ai parlé de la multidimensionnalité des données. J'ai parlé des données comme ressources économiques, comme facteurs de développement. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans notre rapport, dans notre analyse, nous nous focalisons sur la multidimensionnalité. Données, économie, données et autres aspects comme les droits humains. C'est pour cela qu'il faut adopter une approche holistique à la gouvernance des données qui sont plus que des ressources économiques, que droits humains. Les données impliquent de nombreuses dimensions. Merci.
Nous allons passer au milieu, ici, puis revenir. Alors, il y a beaucoup de mains levées. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent poser leurs questions. Donc, une question en ligne, puis dans le milieu de la salle. En soyez bref, ce sont des sujets effectivement très enthousiasmants. Il y en a une question en ligne. Le participant se demande si on peut mettre en place un cadre juridiquement contraignant pour la gouvernance transfrontalière dans le contexte de l'ONU pour éviter les malversations autour des données, mauvaise utilisation des données par Big Data. Est-ce que ce genre de cadre pourrait aider à instaurer une confiance numérique et à créer la transparence au niveau international? Est-ce que ça pourrait aider aussi à créer une certaine redevabilité? Donc la personne, en fait, pose la question des transferts de données au niveau transfrontalier. Arturo. Merci de me donner la parole. L'intervenant demande s'il est audible, mais il n'est pas véritablement très clair. Merci d'avoir organisé cette séance. Non, l'intervenant est inaudible. Il n'est pas possible d'interpréter. Nous allons juste prendre la première partie de votre question. Encore une fois, l'intervenant en ligne est inaudible et impossible à interpréter. Ce sera impossible. J'ai fait allusion lors de ma première introduction. La raison est simple. Nous ne pourrons pas nous mettre d'accord. Et tout ce qui vient de l'Assemblée générale de l'ONU ou d'ailleurs, ce ne sera pas contraignant de toute façon. Et si on parle de handicap, d'accessibilité dans le monde, vous avez des grandes nations dans le monde qui n'ont même pas encore adopté de texte, même si c'est déjà quelque chose dont on parle depuis 40 ans, ce dont vous parlez n'arrivera jamais. Je ne conteste pas la possibilité d'un texte, d'un cadre contraignant, mais il nous faut aussi une perspective mondiale, surtout lorsque l'on parle de transfert transfrontalier. Nous avons entendu beaucoup de personnes parler d'approches basées sur le contexte local, mais il y a les droits humains, des questions fondamentales, et donc des principes que nous voulons intégrer dans les lois sont universelles et il faut clairement exprimer ces principes au niveau mondial. Et ça, à mon avis, ça pourra avoir un impact et faire en sorte que l'on ait le type de protection des données que l'on souhaite dans le monde, d'une région à une autre. Et il faudrait ainsi, et ça permettrait également de créer une certaine cohérence, cohésion. On ne va pas forcément parler d'un nouveau traité, mais je pense que l'on peut continuer de travailler sur ces principes clés, hein, universels que l'on peut appliquer dans les lois, dans les textes pour la supervision et d'autres mécanismes de ce type. Merci, Arturo.
ne pas avoir d'instruments contraignants, mais des accords cadres. L'ambassadeur a parlé d'une initiative, je vais me pencher dessus. Donc, ce genre d'instruments peuvent nous aider à créer une espèce de pacte, de cadre autour des données. Ça, c'est une possibilité pour la gouvernance. On a la gouvernance intra-institutionnelle qui est nécessaire, inter-institutionnelle aussi, et les deux sont possibles au sein d'un pays. Mais au niveau international, il faut aussi mettre en place cette gouvernance. Et pour cela, il faut tout un processus et il faut la bonne volonté des pays. Alors, ce genre d'initiative est nécessaire, mais comme l'intervenant précédent l'a dit, je ne pense pas que ce sera quelque chose d'applicable et de contraignant. Merci, on va commencer par le milieu de la salle. La jeune dame en blanc. On vient de la Suisse. Je voulais compléter, ajouter à ce qui a été dit. Différents pays se trouvent à différents niveaux d'élaboration, d'adoption, de la protection des données. Concrètement, est-ce que vous pourriez recommander une auto-évaluation? Comment est-ce que les pays peuvent commencer en fait à s'auto-évaluer et voir quelle est leur situation en termes de protection des données? Je sais que l'UE a donc la liste de vérification GDPR pour l'auto-évaluation et il serait utile que vous puissiez partager d'autres outils que les pays peuvent utiliser pour déterminer donc leur situation et c'est une façon de standardiser aussi les choses. C'est une bonne réponse. Est-ce que quelqu'un connaît une boîte à outils pour l'auto-évaluation? Les membres du panel? Vous avez parlé de la liste de vérification GDPR et la plupart des pays, agences de réglementation, utilisent déjà cette liste. Nous essayons tous de nous aligner sur cet outil pour permettre la comparabilité. L'objectif, c'est un cadre élargi pour davantage de pays. Bon, ça risque d'être difficile, mais essayons de voir où sont les défauts, de rectifier et version après version, d'avancer. Beaucoup de choses dont nous parlons aujourd'hui ne vont pas forcément bénéficier à ceux qui sont assis ici aujourd'hui, mais ça pourra peut-être profiter aux générations futures et on doit encore et encore essayer. Le panel, d'autres commentaires? Alors, monsieur, dans le fond de la... tout au fond. Ismaël Diawara de la Gambie. J'ai une question. Concernant les pays comme la Gambie, où il n'y a pas de réglementation pour la protection des données, mais c'est un pays qui collecte néanmoins des données pour l'identification numérique, information biométrique. Je me demande donc, quelles approches est-ce que nous pouvons adopter au niveau de l'ONU, de la société civile, pour pousser donc les pays à adopter ces réglementations? Ils ne vont pas arrêter de collecter les données, mais il n'y a pas de réglementation et c'est problématique. Merci. Très rapidement, sur la participation citoyenne, même si ce n'est pas mon domaine. Ce que j'ai vu par le passé dans le monde, c'est qu'en période électorale, on vote sur l'éducation, la défense, etc. Peut-être est-ce qu'on devrait adopter l'angle numérique de ces différents thèmes. Et je vous encouragerai tous dans cette salle, y compris moi d'ailleurs, à la prochaine fois que l'on va voter, la prochaine fois qu'on va aux urnes, ne pensons pas seulement
à ces sujets généraux, mais pensons aux incidences numériques. Et si vous pensez qu'il y a un parti politique qui défend davantage cette protection des droits à la vie privée, etc., eh bien peut-être c'est pour eux qu'il faudrait voter. Merci. Pour réagir par rapport à la Gambie, il y a deux points. Premièrement, il y a un processus en cours. La réalité, c'est qu'il y a des gouvernements qui délibérément ne donnent pas la priorité à la protection. Ils admettent que la plupart des processus qu'ils ont mis en œuvre deviennent illégaux. J'ai donné des exemples. Au moins 11 pays, ils savent que la collecte est illégale, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas d'incitation à mettre en œuvre une législation pour s'appeler soi-même criminel. Mais vous, en tant que citoyen, il faut contacter d'autres personnes dans le pays, pas uniquement en Gambie. C'est à nous, les propriétaires de données, qui devons faire un effort, parce que ça va devenir plus complexe. On parle de plus de données. On ne sait pas de quoi on va parler après. Il faut une minimalisation des données. Ce n'est pas la peine de donner des données qui ne sont pas nécessaires. Il faut poser des questions, mais j'encourage de vous contacter d'autres personnes en Gambie, des gens qui travaillent sur des projets, pour que le processus avance. Et il faut que ça devienne évident pour le gouvernement que c'est aussi qu'ils sont gagnants. Et même pour les élections, ça peut être positif. Absolument, j'allais souligner. Il faut se demander pourquoi la protection des données ne sont pas en place. Aborder ces barrières, parfois, il faut avoir les ressources, on doit soutenir que ça ait lieu. La réalité, c'est qu'il y a d'autres barrières. Parfois, ça peut être politique. Mais je veux souligner que même quand il y a des lois nationales, les obligations internationales s'appliquent toujours. Les pays qui utilisent, qui collectent des données tout en enfreignant les droits de l'homme, ça doit être pris en compte par les organes nationaux, avec la revue périodique ou ces revues par le Conseil des droits de l'homme, quel est l'état de votre loi de protection des données? Et c'est une façon utile pour faire en sorte qu'il y ait une réforme dans différents pays, réforme législative. Il y a un système de procédure spéciale. Il y a par exemple un envoyé spécial et des conventions, parler des violations et des droits à la confidentialité au sein des pays, et c'est l'envoyé qui demande au gouvernement de répondre, y compris, surtout dans le domaine des droits de l'homme, ça peut être utile. Merci beaucoup. Je vais demander à chaque membre du panel de conclure. On a eu de bonnes discussions jusque-là. La dernière question à la dame qui est là, la jeune dame, 30 secondes. Ma question a été posée par les APA actuels pour le cadre mondial du FDR. Est-ce que c'est assez précis ou est-ce que c'est une base pour tirer davantage le FDA et les négociations de l'OMC? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question pendant 30 secondes? Je veux remercier les membres du panel pour un travail magnifique et l'auditoire en ligne et sur place. Je crois que beaucoup d'entre vous
avez retenu beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Et ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est que nous-mêmes, nous les propriétaires, devons amener un changement concernant la gouvernance et la protection de notre confidentialité. Donc, merci beaucoup aux membres du panel. Des personnes en ligne pour prendre une photo. Des personnes en ligne, s'il vous plaît. Allumez votre vidéo pour prendre une photo.